Tout a cramé. Ça y est, on n'a plus rien. J'avais misé toutes mes thunes là-dedans. Ah, fini les cofios, fini les bains de Jack, plus de doigts garnis. Attends, il n'y a plus de clim. Allô? Tonton. Oh putain, c'est... Quoi, tonton? Il n'y a pas de tonton, il n'y a pas de tata. C'est fini, je te dis, on devait se faire un max de thunes. Il n'y a plus rien. Vas-y. Et puis il y a le proprio, il va nous défoncer, tout a brûlé. Et voilà les crapules qui nous doivent des thunes. Et toi, avec ton portable, c'est où il va finir, là? Il va finir où? Il va finir où? De toute façon, ça, c'est de ta faute, ça. Ça, t'as dû draguer la sœur d'un type, ici. Ils nous en veulent. C'est pas ton cousin qui devait cramer à l'intérieur, déjà? Alors fais pas si c'est de ma faute, déjà, pour commencer, de un. Et tu sais quoi? À un moment, faut assumer ses responsabilités, si tu vois ce que je veux dire. Mais t'es un il ouf. Est fou, c'est toi qui es fou. Mais c'est toi qui es venu me chercher. Moi, j'avais une petite vie tranquille, pépère. Et je t'ai suivi dans tes plans pourris, aussi pourris que toi, là. Putain, j'aurais dû écouter ma meuf. Et je voulais te dire, même si t'en bats les reins, moi et elle, bientôt c'est fini, t'es content? On a cassé. Mais bien sûr que je suis content. Machallah, mon pote. Touche-moi pas. Ah ouais, franchement. Et je crois que c'est la seule bonne nouvelle de la journée, si tu veux que je te dise. Et n'oublie pas que tous les deux, on a perdu des thunes dans cette histoire. Ce job, on l'a fait ensemble. Mais t'es un... Normal, quoi? Normal. Mais dès le départ, tu t'es pris pour un patron. Monsieur, il se lève à 14h. 14h30. 14h50, même si tu veux, il finissait le taf à 16h. Toute la journée en buée, dans shit et son rhum, là. Soit tu dors, soit t'es crevé. Soit t'es défoncé, soit tu dors. Mais tu dors tout le temps ou quoi? Oh, non, mais j'étais là, je te jure. Même une fois, j'ai trouvé de la gerbe. J'en pouvais plus, je travaillais tout seul. Mais tu t'as fait tout seul. Tu t'as fait tout seul. Tu t'as fait tout. T'es sérieux dans ton délire? Ouais. T'es sérieux dans ton délire en plus. Ok. Eh, mais n'oublie pas que ton taf avant, c'était de la grosse merde. Quoi? Et tu devrais me dire merci parce que c'est moi qui t'ai sorti de ta crisaille. N'oublie pas ça. Va prendre des antibiotiques, mais j'aurais mieux fait de me casser une jambe ou prendre 3 mois de placard au lieu de faire du bise avec toi. Ah ouais. Quelle bêtise. Et c'est qui le gros teubé qui faisait créer dans toute la ville en pensant que c'était la boutique à son père? Mais c'est qui faisait pas payer les meufs en croyant de s'en taper une? Ouais, espèce de canard, coin, va. Et tes 50 cousins, les crevards, là, qui venaient tous les jours pour appeler au bled. Quoi, les cousins? Battle! Qu'est-ce que tu parles des cousins? Battle! Là, tu parles de la famille, là? Eh, ça va mal aller, Titi. Eh, tu parles pas de la famille, qu'est-ce qu'il y a? Attends, alors après nous avoir coulés, tu me fais des menaces. C'est à moi. Et puis d'ailleurs, qu'est-ce que tu vas me faire?